Coucou les amis, bienvenue pour cette guidance intemporelle en ce samedi soir, donc le 12 février 2021. C'est parti pour les messages importants à recevoir pour certaines personnes. Allez, on va commencer par les chemins de l'éveil. On va voir un petit peu où vous en êtes dans votre éveil spirituel. Tout est mélangé. Nous avons la carte de l'âme. La carte du bonheur, magnifique. Et en troisième carte, nous avons le soulier. L'âme, le bonheur et le soulier. Il y a certaines choses qu'il va falloir encore vous libérer, les amis. Ici, il va falloir libérer votre âme d'encore quelques blessures, de choses qui vous usent encore à présent. Je vous sens bien dans votre vie pour certains, mais je sens quand même encore quelques blessures récalcitrantes. Il va être nécessaire là de continuer le travail parce qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il est temps d'avancer. Je sens des personnes qui ont beaucoup travaillé sur les blessures de l'âme. Ici, on vous demande, on vous dit, pardon, que si vous voulez ce bonheur-là, le bonheur pour votre âme, vous devez être acteur de votre vie et non spectateur. Prenez conscience aussi de l'importance à partir d'aujourd'hui pour vous de passer à l'action. Il y a une guérison qui est bien entamée. Il y a quelque chose encore quelques petites choses à épurer, mais il va falloir arrêter d'être passif et décider d'avancer. Parce qu'il peut y avoir encore des doutes, il peut y avoir un manque de confiance. Il faudra apprendre à partir de maintenant à lâcher prise, à avancer plus légèrement aussi, de façon plus légère dans votre vie. Soyez prêt à voyager. Soyez prêt à apprendre à évoluer vers de nouveaux horizons. Soyez prêt à continuer ce changement que vous avez déjà commencé. Vous êtes bien, mais ne vous arrêtez pas là. Continuez. Pour certains, il peut être question d'un choix avec cette carte du soulier. C'est quand même le 31, mais c'est 13 là, hein, à l'envers. Hein. Il peut être question, hein, pour certains, peut-être qu'il y a encore un grand saut là à faire, hein, pour vous séparer de quelque chose dans votre vie, pour être totalement dans le bonheur. Une relation, un travail, peu importe, vous adapter. Il vous faut ici avancer et connaître quelque chose de différent. Quelque chose qui va vous amener à ce bonheur que votre âme souhaite. On a la carte 26. La justice. Le karma est en œuvre dans votre vie. Je le sens. Le karma est en œuvre dans votre vie. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous êtes en train de récolter. Et on vous demande encore un pas. Encore un petit pas, encore un petit geste, encore une épuration de certaines choses ou relations terrestres ou d'épuration plus astrale. C'est votre âme, hein, qui est à l'origine, hein, du bonheur que vous avez actuellement.
Vous avez fait qu'un avec votre âme. Là, je vois beaucoup de personnes guéries. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup appris aussi sur les blessures de l'âme. Vous êtes beaucoup renseigné aussi. Pourquoi pas, vous avez pris conscience de plein de choses. Vous vous occupez plus de votre âme maintenant, je le sens. Vous n'existez plus comme avant que d'un point de vue terrestre. Vous liez votre âme et votre corps incarné. Je vous sens avant, par exemple, avancer, avant de connaître, avant de prendre conscience de votre âme et que vous aviez une âme, je vous sentais avancer sans ambition. Là, je vous sens vibrer là. Pour certains, vous avez peut-être guéri d'une maladie aussi, depuis que vous avez réparé votre âme, que vous êtes lié à votre âme, ou guéri de maux, des MAUX, hein, des maux que vous aviez souvent comme ça. Vous avez rallumé la flamme qui était endormie en vous. Encore un petit geste, encore un petit pas ici avec la carte du soulier. On va voir les portes de l'intuition, si on peut avoir encore une information pour vous. La fin du passé. Bon, il y a bien quelque chose à laisser dans le passé. Soit il y a encore des fluides comme ça dans dans vos énergies du passé qu'il va falloir définitivement libérer, ou soit il y a une personne ou une situation qui doit être dans le passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, pardon, mais là il est temps de laisser quelque chose dans le passé, de mettre quelqu'un ou quelque chose dans le passé. Écoutez uniquement votre intuition pour cela. Ne cherchez pas la réponse avec votre mental. Mais je pense que vous savez de quoi je vous parle. Vous êtes conscient de ça, les amis. Je le sens. Mais il y a le vouloir et le faire. Il va falloir transformer quelque chose. Il vous faut récupérer toute votre énergie. Il vous faut une réparation totale et une épuration totale. Encore un pas, encore un geste, encore un effort et le bonheur sera total pour vous. Alors, le bonheur vous attend ici. Le bonheur vous tend les bras. Soyez le créateur et non le spectateur. Il y a quelqu'un dans votre vie qui ne vous aime pas autant que vous aimez cette personne. Vous ne recevez pas autant d'amour que vous en donnez dans votre vie. Il peut s'agir d'une personne qui est là, avec qui vous êtes, ou une personne qui n'est plus là, mais qui est encore un petit peu là. On a quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui ne vous aime pas autant que vous. Vous devez renoncer. Il va falloir renoncer à cet amour qui n'est plus ou qui n'est pas. Je sens une personne énergivore, là, ici, dans votre entourage. Écoutez vos exigences intérieures. Osez voir les choses en grand. Osez vivre grand. Ayez de l'ambition. Libérez-vous de ce non-amour. Créez votre vie. Ne la regardez pas passer. La vie est courte. Accueillez toutes les bénédictions qui arrivent après ce geste, après ce pas. C'est le bonheur qui vous attend. Cessez de résister au mouvement de la vie. L'univers vous a envoyé des signes. L'univers vous a permis d'avancer.
permis de gagner. Vous avez la capacité d'agir. Ne restez pas dans l'inaction. Soyez ambitieux, comme on le disait tout à l'heure. Soyez créateur et non spectateur de votre vie. On va regarder ce que nous disent les esprits de la forêt. Isa, faites une pause, les amis. Sentez, vous êtes pur, vous avez un aura blanc. Il est temps pour vous de faire une pause, il est temps pour vous de vous sentir guidé, il est temps pour vous d'écouter votre sensibilité. Il est temps pour vous d'avoir de l'espoir, d'avoir la foi. Il va falloir grandir, il va falloir accomplir des choses. Il va falloir enfin vivre votre vie que vous avez souhaitée, que vous avez préparée mentalement. Il va falloir la vivre maintenant. Il va falloir aller vers ce qui est juste pour vous, vers ce qui est équitable. Il va falloir vous engager avec vous-même, poser des fondations stables et solides pour aller dans cette vie que vous avez rêvée et souhaitée. Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans les rêves, ça se passe dans le fantasme. Trouvez la force, trouvez le courage d'oser vivre votre vie que de la rêver. Je sens des personnes ici qui ont beaucoup d'intuition, qui peuvent avoir des messages en rêve aussi, qui peuvent avoir des apparitions en rêve. N'hésitez pas à écrire vos rêves et surtout les sensations. Il y a un événement qui arrive là dans votre vie. Pour ceux qui attendent quelqu'un du passé, au niveau sentimental, une relation âme-sœur, flamme jumelle, vous n'êtes pas loin de la fusion, de la réunion. Vous allez pouvoir célébrer. Il y a un événement très important qui arrive. La roue tourne, votre destin arrive pour vous, mais il va falloir arrêter de rêver votre vie, il va falloir vivre vos rêves et y croire, avoir la foi aussi. Un cycle se termine, un autre cycle va commencer. La roue, elle est en train de tourner comme ça pour vous. Vous êtes bien, mais vous êtes en bas de la roue. Là, vous allez monter. Mais il va falloir faire un pas, il va falloir être ambitieux, trouver un petit peu de courage de la vivre, cette vie tant rêvée. Faites confiance à votre guide. Pour ceux qui ont un guide spirituel, un conseiller, faites confiance aux sages. Faites confiance au divin, au créateur, à la source.
Je vois certaines personnes qui peuvent être aussi des guides ici, hein. Vous pouvez aider les autres, vous pouvez guider, hein, peu importe dans quel domaine. La guérison, on a un arbre ici. J'en me dis la guérison ici. Je ressens la guérison. La naturopathie pour certains. Mais là, il y a un choix à faire concernant votre avenir, votre mission de vie en lien avec la guérison. Ouais, vous avez un don. Ouais, bon, vous êtes en plein éveil, hein. Même pour ceux qui sont éveillés, hein, vous êtes en train de vous éveiller encore plus. Moi, je vous vois être des guides là. Je vois être des guides, des guérisseurs. Des guérisseurs, mais en lien avec la nature. Les fleurs, les plantes, aromathérapie, naturopathie. Il y a un vrai don là ici. Osez, les amis. Faites le pas, soyez ambitieux. Si vous avez une personne dans votre vie qui ne comprend pas cette envie, c'est que cette personne ne vous aime pas. C'est votre choix. Voilà, on a le bonheur. Vous allez être complètement satisfait. Vous allez être sécurisé. Mettez-vous en sécurité, on vous dit aussi. Donnez-vous de l'amour. Et on vous donnera de l'amour aussi. Pour certains, j'ai une relation sentimentale qui va vous rendre très 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 heureux ici. Vous allez pouvoir vous reposer, vous serez apaisé. Et vous le savez, on a la prémonition ici. Vous le sentez, vous le savez que la stabilité arrive. Au niveau sentimental, la sécurité. Il peut s'agir de mariage éventuellement dans les prochaines années. Il y a un mystère dans votre vie sentimentale, mais au fond de vous, vous avez la réponse, vous le savez. Vous faites pour certains des rêves prémonitoires. Ou bien vous avez des prémonitions instinctives. Je vous sens sentir des choses arriver vers vous, soit au niveau sentimental, soit au niveau d'un don de guérison. Je vous sens vous préparer. Mais ayez confiance en vous, que ça ne reste pas que dans le fantasme. Oui, il vous faut de la volonté. La volonté, il vous faut accepter l'abondance dans votre vie. Je vous sens avec une aura magnétique. Il vous manque juste la volonté d'accepter l'abondance dans votre vie et franchir le pas, ne pas rester que dans le rêve, le fantasme. Et si quelqu'un ici vous empêche d'aller vers votre bonheur en vous faisant douter de vous, vous laissez cette personne dans le passé. Croyez en vous, créez votre vie. Ne laissez personne créer votre vie pour vous, vous décourager. On va voir ce que nous dit Ganesh. Nouveau départ. Il faut aller vers un nouveau départ. Il faut vous engager avec vous-même d'aller vers un nouveau départ à partir de maintenant. Il faut croire en vous. Il faut avoir confiance en vous. Soyez à l'écoute des signes aussi. Soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos prémonitions instinctives. Regardez, vous avez un futur rayonnant. Vous pouvez y aller, osez. Osez franchir le pas. C'est ensoleillé, c'est doux, c'est protégé. Vous ne craignez rien. Accueillez l'abondance.
Là, c'est votre karma. Vous avancez, là, vous prenez un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui va commencer. Vous avancez vers votre karma, à condition d'écouter les conseils. Vous avancez, pardon, pas vers votre... Oh, magnifique. Vous avancez pas vers votre karma, mais vous avancez vers votre destinée. Vous êtes protégé, vous allez avoir plein de bénédictions, mais il va falloir avancer vers le futur, ne plus stagner dans les rêves, dans les fantasmes, dans le présent. Il faut avancer maintenant, il faut prendre un nouveau départ pour accueillir toutes ces bénédictions. On a beaucoup de sécurité, on a la sécurité émotionnelle, financière, matérielle, on a toutes les sécurités ici, toutes les stabilités. Là, c'est l'abondance qui coule à flot, qui déborde même. C'est des bénédictions qui vous attendent. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir être tranquille, être à l'aise. Vous allez manquer de rien. Vous ne serez plus dans l'illusion. Vous allez être comblé là, rassasié. Prenez ce nouveau départ en toute sincérité ici, avec beaucoup de foi aussi. Vous voyez comment vous allez être heureux? Vous allez être comblé dans tous les domaines et vous allez être clairement heureux. Il y a une grosse transformation ici hein, pour vous. Hein. Il y a une grande, grande, grande transformation. C'est la roue qui tourne, la roue de fortune. Ayez le courage, la foi, la force d'accueillir cette joie, cette gaieté, toutes ces bénédictions. Je pense pour certains, là, il y a un changement de vie hein, radical. Hein. Ouais, on a l'intuition. Votre chakra du troisième œil est ouvert. Vous écoutez votre intuition, vous avez beaucoup d'intuition, vous recevez des messages, vous recevez des signes, vous recevez des rêves, vous recevez plein de messages. Mais on vous demande d'être focus sur le troisième œil. J'ai l'impression que vous connaissez votre propre avenir, les amis. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des personnes qui vous découragent parce que ça reste dans les rêves. Et pourtant, vous avez conscience ici de votre propre avenir. Je vois des artistes ici. Je vois des artistes aussi. Je vois un côté créatif, un côté artistique pour certains. Je vois un côté marginal pour certains aussi. Peut-être que vous êtes déjà à l'écart, vous savez, enfin, pas à l'écart de la société, mais vous avez comme ça un cœur assez marginal. Vous n'aimez pas tout ce qui est classique, tout ce qui est très humain. Vous pouvez écouter de la musique ici pour guérir votre âme aussi. Vous pouvez vous rapprocher de la musique, peut-être de la méditation, pour ouvrir encore plus. Le troisième œil, être à l'écoute des signes aussi. Écoutez le chant de votre âme aussi. Avancez, prenez en main votre destinée. C'est ce qu'on vous demande ici. Prenez en main votre destinée. N'hésitez pas à être à l'aide d'autrui. Je pense que vous l'êtes déjà. Mais là, on vous pousse à trouver votre sécurité, à apprendre, pardon, à trouver votre sécurité intérieure, à l'intérieur de vous. Là, c'est le triomphe sur l'ego. C'est ce que je sens ici.
Triomphe, d'accord. Pour certains, il reste encore un petit peu d'ego, un petit peu trop de mental. Vous pouvez faire un soin avec de la musique. Ça peut être ça, une musique comme ça. Il vous faut des soins avec, comment on appelle ça, cette thérapie? Je ne sais plus. La thérapie par le son pour mettre définitivement de côté l'ego ici. Et là, vous allez triompher là. Et là, vous n'allez plus avoir le besoin d'appartenance à quiconque, à un système, peu importe. Vous appartenez à la source, tout simplement, et à votre famille d'âme. Vous n'appartenez pas à votre famille, à votre groupe d'amis. Vous appartenez à votre famille d'âme et à la source. Il y a encore un peu d'ego là, je ressens. On va utiliser un tarot. Il va falloir laisser le mental derrière vous. Vous devez fuir d'une situation pour certains. Pardon, pas fuir, partir d'une situation. À vous de voir comment ça peut vous parler. Une situation qui vous tracasse, j'ai l'impression. Pour certains, c'est une situation familiale. Couple, on vous juge, on ne vous laisse pas vivre pleinement votre spiritualité, on ne vous laisse pas être dans l'abondance, vous avez peur de du qu'en dira-t-on, du regard de l'autre ou des autres. Vous ne pouvez pas aller vers une renaissance dans une situation, une relation dans laquelle vous n'êtes pas sur la même fréquence, en connexion spirituelle. Vous avez besoin, vous avez soif de spiritualité, vous avez soif de lien spirituel. Vous voulez être dans la joie, dans l'allégresse, dans la gaieté. Ce n'est pas le cas. Oui, c'est votre famille, oui, c'est votre autre, vous avez eu des enfants, vous êtes marié, etc. Peut-être pour certains, ou c'est ce que vous aspirez. Mais il y a un manque de connexion spirituelle pour vous qui devient difficile là. Oui, le soleil renversé, on manque de clarté, on se sent pas en vie. Il y a cette envie de fuir, il y a cette envie d'être soi-même. Oui, vous ne pouvez rien faire. Je vous sens pas bloqué, pas piégé, mais je vous sens pas pouvoir exprimer votre spiritualité. Je vous sens pas. Je vous sens pas aussi pouvoir. Comment je peux dire ça? Faire ce que vous avez envie de faire. Parce que vous êtes vous êtes dans l'ombre. Vous faites les choses dans l'ombre, pour certains. Vous cachez cette spiritualité. Ou bien si vous ne cachez pas, vous ne vous exprimez pas à fond sur ça parce qu'il y a des jugements. Passez à l'action. L'as de bâton. Passez à l'action. Il va falloir aller vers un nouveau commencement. Pour ça, il va falloir être dans le mental. Il va falloir être dans le pouvoir. Là, pour le coup, il va pas falloir. Il va. Ouais, il ne va pas falloir laisser l'émotionnel prendre le dessus.
Si vous voulez ce nouveau départ, si vous voulez être vous-même, si vous voulez être heureux, retourner ce soleil, il va falloir être dans le pouvoir, dans le contrôle, dans le choix et dans le côté sévère, strict. Pour certains, vous avez peut-être des enfants ou fondez quelque chose. Vous fondez quelque chose depuis très longtemps. Ou fonder des enfants, même s'ils sont grands, peu importe. Il y a un partage comme ça. Il y a l'aide. L'aide. Ok. Vous avez peut-être. Vous partagez un peu. Enfin, oui, vous avez des enfants, on va dire ça comme ça. Le soutien. Vous pouvez aussi obtenir le soutien de vos enfants, pour certains, pour pouvoir trancher. Si vous avez des enfants qui sont grands et que vous voulez sortir comme ça d'une situation où, peu importe, vous adaptez, vous pouvez avoir le soutien de vos enfants, si on me dit. Pour pouvoir prendre une nouvelle route là. Vous ne pouvez pas être créatif là. Vous ne pouvez pas. Là, vous n'êtes pas créateur de votre vie. Vous êtes spectateur de votre vie. Pourtant, vous avez envie d'action. Vous avez envie de passion. Mais il va falloir avoir du courage. Soyez fiers de vous. Ayez confiance en vous. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez réaliser vos souhaits. Mais là, il va être question de se débloquer. Il va être question, pardon, d'arrêter plutôt de se sacrifier. Pour autrui. Oui, le fou. On s'envole. On prend son petit sac et on laisse tout derrière soi. On s'envole. Plus facile à dire qu'à faire. Je le conçois. En l'occurrence, c'est un petit peu ce qui vous est demandé ici. Pour certains. Pour d'autres, s'il n'y a rien à laisser derrière vous, allez-y, franchissez le pas, ne bloquez pas. Là, c'est un sacrifice que vous faites vous-même. Regardez, l'empereur. L'empereur, ce qu'il veut, il l'obtient. L'empereur, il sait être rigide quand c'est nécessaire. Il passe à l'action. Il est stable. Il est organisé. Il est procédurier aussi. L'empereur, il est en pleine possession de ses moyens. C'est la personne influente, l'empereur. La justice. Les amis, arrêtez de vivre l'injustice, on vous dit. Cessez de vivre des choses qui sont injustes pour vous. Soyez l'empereur. Il va falloir guérir. Il y a de la souffrance. On voit que vous n'êtes pas bien. Il va falloir aller vers la guérison. Il va falloir guérir une blessure, du rejet ou de l'abandon ici. Pour certains, vous avez du mal. Vous avez peur d'être injuste. Vous avez peur d'abandonner. Donc, vous stagnez. Vous n'avancez pas vers votre destinée. On n'a que des arcanes majeures là. Oui. Vous voilez la face à vous-même. Alors qu'au fond de vous, vous détenez le secret. Pas pour ne pas blesser, faire mal, trahir, abandonner, être injuste, vous vous mentez à vous-même. Vous stagnez dans votre vie. Ou pour ne pas être abandonné, pour ne pas se sentir rejeté, peu importe. Il faut ici, comment on dit ça, lâcher prise, c'est-à-dire mentalement, être plus dans le détachement, plus de légèreté aussi, plus de légèreté. Pour certains, si vous pensez abandonner un boulot pour faire autre chose, on vous dit non, vous pouvez jongler avec les deux aussi. Hein. Travailler. Travailler sur vous,
Continuez le travail que vous avez fait. Attelez-vous à la tâche. Faites le mieux pour vous. Continuez. Mais allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous fait du bien. On a pas mal d'arcanes majeures. On a le hiérophante à l'envers. Hiérophante renversé. Oui. Voilà. Et le 9 d'épée. 9 d'épée, oui. Vous êtes tracassé par les peurs. Vous êtes tracassé par... Pour certains, il y a une notion de religion aussi, peut-être. Si vous avez une certaine religion, on ne comprend pas que vous ne que vous soyez pas dans cette religion, que vous soyez spirituel, qui pour certains qui sont dans une religion n'est pas une religion. Enfin bref. Vous êtes déséquilibré parce qu'on essaye on vous ronge. Moi, je sens des énergies, des gens, des personnes énergivores autour de vous là. Et ça vous tracasse parce que c'est pas ce que veut votre âme. C'est pas ce que veut votre âme. Voilà. Mettez-vous en sécurité et laissez ce que vous avez à laisser derrière vous. Allez vers quelque chose, allez vers vos rêves, allez vers vos souhaits, laissez ça derrière vous, mettez-vous en sécurité, engagez-vous avec vous-même. C'est ça, hein. Là, vous avez l'espoir là, hein. Mais allez-y. Et pour y aller, vous êtes obligé de laisser quelque chose derrière vous ici. L'œillet. J'ai l'impression que pour certains, justement, excusez-moi, je récupère la carte. C'est comme s'il y a, vous avez des, comment je peux dire ça? Il y a des choses qui se passent dans votre vie. On appelle ça des foudres karmiques. Pour que vous changiez de direction. C'est un peu, c'est des signes, mais c'est des foudres karmiques. C'est des foudres karmiques, c'est... Bon, les foudres karmiques, ça peut être n'importe quoi, mais c'est des signes pour que vous changiez de direction, pour que vous travailliez aussi sur le pardon. Là, on parle de pardon d'autrui, mais pardon aussi de vous-même, en cas de choix. Ouais, il va falloir aller vers une guérison là. On vous pousse. Pour ça, les amis, on a sûrement ou on vous a sûrement ou on va vous envoyer des foudres karmiques. Parce que là, il est temps de faire un choix et de faire le choix de guérir aussi. Il est temps de changer de cycle. Il est temps éventuellement pour certains d'arrêter d'être dans l'illusion d'une vie conventionnelle, terrestre. Il y a des choses que vous occultez. Il y a des choses que vous occultez. Pour votre guérison, il y a des non-dits encore. Il y a des choses que vous occultez. Et c'est pour ça que de temps en temps, il y a des foudres. Il y a toujours une situation qui vous rappelle, qui vous ramène à ce que vous occultez. Parce qu'il y a un pardon à travailler ici. Oui, vous n'arrivez pas vraiment à être dans la joie. Et pourtant, vous allez pouvoir célébrer en arrêtant d'occulter ce qui doit être guéri. Et je vous sens faire les montagnes russes. Un coup, ça va. Et un coup, hop, ce qu'il faut être guéri là, ce que vous occultez, ça remonte à la surface. Et boum, je suis en down. Pourquoi? Parce qu'il y a le travail de pardon qui n'a pas été fait. Le pardon peut se faire à l'écrit ou verbalement. Oui, bon, bah, verbalement, on vous dit. Avec la carte de la tchatche, il va falloir communiquer. Il va falloir pardonner.
une personne. Et le pardon, c'est pas forcément pour reprendre contact ou pour garder contact, hein. C'est pardon, je te pardonne pour me libérer moi, hein. C'est à titre personnel. Vous êtes dans la confusion, pourtant vous savez. Pourtant, vous savez, pourtant, il va falloir faire le pas. Pour certains ici, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas et vous êtes dans la confusion et pourtant, il va falloir changer de vie. Les cartons, ça peut être aussi le déménagement. Hein. Ouais, vous gardez ça. Oui, mais oui, vous gardez secret votre spiritualité. Pour certains, il faut être fier de ce que vous êtes. Hein. Vous êtes vraiment protégé, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous allez vers l'élévation, mais là, il va falloir sortir de cette situation pour pouvoir vivre pleinement votre spiritualité, pour vous aligner complètement avec tous vos chakras et avec votre mission de vie, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici, qu'ils soient dans votre vie ou pas, qui drainent votre énergie, hein, par des énergies ou par leur présence. Bon, ok, là on me reparle d'enfants. C'est vrai que c'est pas facile avec les enfants ou avec la peur du qu'en dira-t-on, enfin que les enfants vous jugent, ça c'est possible. Mais bon, on a effectivement un entourage familial qui vous ronge, quoi, qui pompe votre énergie, hein, c'est ce que je vois. Hein. Mais je vois plutôt que c'est parce que vous ne pouvez pas être vous-même. Vous ne pouvez pas vivre pleinement votre spiritualité par peur du jugement ou parce qu'on vous pompe votre énergie. C'est ce que je ressens ici. L'univers va vous pousser à... Vous avez peut-être eu déjà beaucoup de signes, sinon l'univers va vous pousser à un changement de vie, là. 8 de cœur. On a un cadeau pour vous, les amis. On a un cadeau qui arrive. On a un cadeau. Pour les hommes, il va y avoir une femme. Pour les femmes homosexuelles, il va y avoir une femme. On a l'amour qui arrive. Waouh ! J'ai le couple. Roi et reine. Roi et dame de cœur, j'ai le couple. Pardon. J'ai un cadeau. J'ai un bonheur. Pour certains, il va y avoir une rencontre. Waouh ! Mais j'ai que du cœur. Joie, gaieté, on a une victoire ici. On a une victoire. Bon, je prends ces deux-là. On a une victoire. Mais là, il va être question de sortir de quelque chose qui vous met en colère. De la méchanceté d'une personne qui est là. Il va falloir sortir une personne dans votre vie pour aller vers cette relation. On a quelqu'un qui a beaucoup de disputes, beaucoup de colère, de choses comme ça. On a un gros blocage, on a des problèmes ici, on a quelqu'un de perfide et de méchant autour de vous. Il y a des mauvaises nouvelles ici. Peut-être une personne qui tout le temps vous donne des mauvaises nouvelles ou est méchant avec vous, j'ai l'impression. Bon, pour certains, là, il va être question d'un divorce, éventuellement. Si vous êtes avec une personne perfide, méchante, etc., où il y a des blocages, il y a tout le temps de la colère, il va être question d'un divorce. Mais après, vous allez rencontrer l'âme sœur là-bas. Ou bien, il va être question, éventuellement, d'une séparation s'il n'y a pas de divorce. Mais le problème, c'est que vous bloquez. Il y a un blocage. Soit vous êtes bloqué pour les enfants, comme on l'a vu, soit vous êtes bloqué parce que voilà, il y a des choses en commun ou parce que vous procrastinez éventuellement. Pourtant, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Et moi, je pense que le cadeau, c'est une nouvelle relation. Mais non, là, vous bloquez. Là, vous bloquez cette nouvelle relation parce que vous bloquez cette séparation. Là, ça va parler que aux personnes qui ne sont pas bien, d'accord? Oui, parce que pour certains, effectivement, soit ça a été il y a un mariage ou il y a un engagement, en tout cas un accord comme ça, quelque chose de légal. Donc, que ce soit un mariage vraiment, donc qui dit divorce, ou peut-être tout simplement un engagement verbal. Bon, voilà, hein, c'est un petit peu ça. Ok, bon.
Oui, mais la personne est trop, trop, trop mauvaise pour vous, les amis. C'est une personne nuisible. Que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est une personne nuisible ici. Ouais, c'est même une personne qui certainement a déjà quelqu'un ou voit d'autres personnes aussi. On vous pousse à faire un choix. Hein. On vous pousse à changer quelque chose dans votre vie, à sortir d'une relation, bon, pour moi, toxique, hein, clairement. Toxique ou plus bonne pour vous. On vous dit, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Mais il va falloir aussi franchir le pas. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et on termine avec cette carte. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Oui, c'est ça, les amis. Vous n'osez pas faire quelque chose par peur de trahir ou qu'on dit de vous que vous êtes une mauvaise personne. Donc, vous ne pensez pas à vous. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Voilà les amis, le message de ce soir. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Merci pour votre écoute. Bye bye.